Bon, je dis à nous parler sur un sujet assez intéressant, un sujet d'actualité. C'est toute la problématique de la goudre, la monnaie nationale par rapport à la devise qui est le dollar américain. Et nous avons surtout besoin qu'on ait ça qui explique cette grande volatilité, la dépréciation de la goudre, mais aujourd'hui, l'appréciation. Quels sont les facteurs qui expliquent l'appréciation de cette goudre par rapport au dollar américain? Quels sont ces facteurs? Il y a énormément de facteurs qui expliquent. Et dans un premier temps, l'économie, ce qu'on dit, ce sont les fondamentaux de l'économie. Et pour qu'ils tapent déprécier, ils disent « Ah, mon cher, pas une production, pas une exploitation. L'économie haïtienne n'est pas une économie compétitive. » Donc, et l'une des balances, la balance des paiements, qui est la balance des comptes courants, toujours négatif. Les balances comptes courants pays négatif, ça veut dire que le pays a besoin de devises. Donc, nous avons besoin de devises, pas une devise qui entre, goût de la déprécier, goût de la tomber déprécier. Mais vous n'y a plus goût. Mauvaise nouvelle, vous n'avez pas. Situation inversée, pas de production, pas d'exportation, balance des comptes courants toujours négatif, l'économie n'est pas compétitive, et vous constatez, goût de la apprécier. Attendez, frère, goût de la apprécier. Eh bien, next, on ne va pas parler. Il dit, ah, mon cher, parce que, bon, et gouvernement n'a pas fait déficit budgétaire encore, financé par la création monétaire. Ok, Banque Centrale, lui mettez 150 millions de dollars de côté, c'est ça qui explique qu'il va déprécier, pas vrai? Et selon vous, ça fait? Non, moi je dis tout à l'heure, mais avant de me dire où? Faut me préciser pour vous, dans un passé récent, Banque Centrale de mettre combien de millions de dollars dehors, Banque Commerciale a ramassé millions et puis demain matin, Gouda a commencé à déprécier encore. Dans un passé récent, le gouvernement a suspendu fait déficit budgétaire financé par la création monétaire de la Banque Centrale, et faut Gouda a déprécié. Je vous dis à tout ça, il y a avancé pour Gouda déprécier. Comprenez? Je dis, ah ouais, il n'y a pas joué. Il n'y a pas là, pas de production, pas d'exportation. Balance des comptes qui sont négatifs. Un gouvernement vraiment pas fait déficit budgétaire, c'est vrai. Mais on constate que Goudla a pas apprécié. Au départ, il y a des spéculations. Non, ma privé sur spéculation. C'est capable, je ne peux pas expliquer. Au moins, des explications, je ne peux pas une explication. Et grand monde, je ne peux pas mentir, frère. Pas d'explication. Parce que l'étape dépréciée, c'est pas de production, pas de ceci, pas de cela, pas de compétitivité, etc. L'étape dépréciée. Mais je dis à la pas appréciée, elle continue à apprécier, elle pas jamais suspendre apprécier. Il faut retenir ça. Je parle de prix, ça pas jamais suspendre apprécier. À moins que les coquins fêtent, ils vont se payer de coquins. Mais pour le moment, elle continue à apprécier. Et ça qui fait la pas apprécier, c'est des facteurs pas tout à fait liés aux fondamentaux de l'économie. Il y a qui dit qu'ils sont dans le ciel qui tombent. Personne ne va connaître. On s'est allié, on s'est expliqué l'appréciation aujourd'hui, c'est parce que le peuple a campé devant le bateau, il dit nous ne pouvons pas prendre 120 gouttes de dollars. Mais premier élément, quand la Banque Centrale a commencé à sanctionner les banques, ah, il y a eu le Caponé. Et une bonne chose, par exemple, pour contre, pendant le Caponé, personne ne peut prendre un pays s'il y avait un secteur informel du dollar américain. Et les sortants disent les organes d'eau, 70 gouttes de dollars. Gonaï d'eau, 70 gouttes de dollars. Je dis oh! Il y a des banques qui ont fait tout. Ils ont commencé à faire tout. Moi, je sais la combinaison de tout ça. Tout ça, premièrement, le peuple a campé devant la banque, il a dit non, pas pour 120 gouttes pour nous. La banque centrale qui commence à sanctionner les gens et l'intervention du marché informel qui a fait tout. Ça veut dire que le gouvernement qui descend, pas que ça du tout. Non. Bon, qu'il y a une dimension politique là-dedans. Ça, c'est une question que vous posez au dernier moment. Pour regarder est-ce que par une composante politique. Parce que pour le gouvernement, il faut que le gouvernement soit très intelligent. On va être intelligent. Il faut être très intelligent pour que Gouda commence à descendre. Parce que même le gouvernement, il y a peut-être un an, il bien descendre prix manger. C'est réuni dans les réunions à Négo. Les filles disent après, tirer petit cob sous yo de façon à ce qu'il descende prix manger. Il n'y a pas trop ça. On va changer comme journaliste. Tu as cette composante mémoire chez toi. Donc il n'y a pas trop. Mais je dis, il commence, il descend. Non, ça, c'est l'autre question. Tal, on a vu ça. Parce que l'homme est national, que l'a augmenté, que l'a baissé, il y a des gens qui ont pénalisé, des gens qui ont bénéficié. L'autre jour, le conseil d'administration et DIGICEL est jubilé. Parce que toute dette DIGICEL, c'est en dollars. Pour l'entrer en contact avec l'équateur, satellite qu'il a, c'est parti qu'à scope dans le pays, en bonne passante, et ceci en dollars. Il y a deux mois, les DIGICEL à la banque, c'est 125 gouttes pour dollars. Je dis à l'aller, les 62 gouttes pour nous là. Bah, bien sûr, j'ai mon sable jubilé. Donc, lorsqu'une monnaie nationale s'apprécie, se déprécie, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont fâchés, il y a des gagnants, il y a des perdants. Dit c'est un gagnant.
le secteur textile perdant parce que tu recevoir l'argent en dollars au lieu de payer travailler en dollars et toujours changer pour payer en goud. Mais je dois pas dire. Et si tu te payer travailler en dollars, vous voyez, il n'y a pas de problème. Grand pile gouvernement, grand paquet de ONG, je dis à fêter. Parce que payer mon en dollars. Est-ce qu'on est à l'heure de 2000 dollars qu'on y a comme salaire? L'entrée était 120 gouttes de dollars. C'était bon. Mais je dis à obligé de résilier, oui. Les 60 gouttes là. On va recevoir même quantité, on va recevoir 50%. Vous comprenez? Donc, mes amis, c'est comme ça va galayer. Et moi, tout ça pour le gouvernement fait. Laisse arriver dans l'économie. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont fâchés. Nous prenons 10 sel, nous prenons tout le monde qui a recevoir, qui a une dette en dollars, tout le monde est content. Vous comprenez? Les gens qui sont fâchés, il y a des gens qui sont fâchés. Planter à Tibounet, fâché en pile. Parce que si les gens ont commandé un sac de Miami, ils ont commandé deux FIBC pour y donc, les planter à Tibounet, là, il y a un problème. Donc, ça, on peut essayer de faire, les États-Unis le font aussi. Mais il faut regarder, est-ce que les gouttes là pas appréciées, est-ce que le bien-être social, le bien-être ensemble population a amélioré? Si oui, vous quittez la déprécier, il faut qu'il y a secteur pénalisé au Vénédé. Par exemple, on doit, pas à l'aide d'une subvention, on doit aller aider planteurs à Tibonite. Vous comprenez? Le gouvernement américain fait, parce que l'Amérique subventionne son secteur agricole, l'Union européenne le fait aussi. Comprendre ça me dit, c'est pas des bagailles qui chose. Mais ça qui est vraiment important, parce que là matin, hein, on a aimé combien de temps embellissable a duré, combien de temps a duré avec 60 gouttes pour un dollar. Ouais, d'avoir une belle question, si tu te poses, même poser pour vous. Combien de temps on a aimé comme ça, pas vrai? Eh bien, ce qui est la Banque Centrale passée, Liban de Negio, pour yo, désormais, si vous avez besoin de recevoir un dollar américain, soit avant, compte en banque. Dollars, ça est une bonne centrale. La bonne nouvelle. Ou même qui a aimé l'argent continue à baisser pour passer de 60 gouttes à 50 gouttes. Et finalement, en 2021, vous tournez à 25 gouttes pour dollars. Mais c'est parce que désormais, la Banque Centrale a une capacité pour augmenter les réserves internationales. Récemment, 600 millions, mais il y a 700 millions. Et dans moins d'un an, il y a 1 milliard, dans 2 ans, il y a 2 milliards, 3 ans, il y a 4 milliards. La Banque Centrale a bien l'argent en main pour que la jambe dépressée, à moins que les politiciens intervenus là-dedans. Ça veut dire que les gens sont une bonne décision. C'est qui les gens? Oh God. En économie, c'est comme ça. Les gens qui sont dans le secteur informel, ils ne sont pas vraiment circulaires. Ils sont les gens qui ont fait près de, je ne vais pas prendre un détail avant, plus de 20 gouttes sur chaque dollar de transaction. Les banques qui ont fait 2 gouttes, 3 gouttes, ils ont fait 20 gouttes. Ou pas capable de perdre du man ça pour qu'on soit content, il faut manifester quand même, pour ne pas accepter. Mais attention, la Banque Centrale est là pour conduire la politique monétaire. Et lorsqu'une Banque Centrale dans un pays normal mène la politique monétaire, la Banque Centrale fait connaître toute masse monétaire qui gagne, que ce soit en gros ou en dollars. Et qu'une bonne partie de masse monétaire en dollars qui échappe à la Banque Centrale. Donc on ne peut pas mener la politique monétaire ou on ne peut pas combattre l'inflation. Donc la Banque Centrale, je prends toutes les dispositions pour formaliser le secteur informel qui est très fort. Parce que nous sommes dans un bail qui est intéressant, que peut-être on ne peut pas mentionner. Si je dis à Goudla pas apprécié, c'est aussi grâce au secteur informel. Parce que là, on sanctionne les banques. Le peuple a fait manifestation. Ils ont sanctionné les banques, les gens qui ont capté. Et puis, c'est le moment, c'est que tu as informé, elle a dit, je l'ai tout. Et puis, ils mettaient à 70 gouttes. Même Banque Centrale était à 105 gouttes, c'est que tu as informé, les organes étaient à 70 gouttes. Yeah. Tout facteur, ça a conjugué. Ce qui est important de préciser, ce n'est pas le fait que Banque Centrale mette 150 millions de dollars sur le marché pour une opération que les marchés ouverts open market. Parce qu'il était comme fait dans le passé, Goudla va jamais apprécier. Il était comme fait, oui. Dans le passé récent, il mettait 60 millions. Tant, ma puni. Regarde, il te mettait 50, il te mettait le dehors, et puis Goudla va jamais apprécier. Banque commerciale, ramasser le dollar, fini. Il continue de déprécier. Qu'on y a fait chercher d'autres explications. Évidemment, mon bail est fondamental. Je suis d'accord avec nous tous, et nous sommes d'accord avec moi. L'économie normale, on parle d'économie normale. On a l'économie, quand il y a deux segments de l'économie, c'est madame qui la donne. D'un côté, banque commerciale qui a fait spéculation, de l'autre côté, gouvernement qui a dégagé. N'a pas les normes qui pas existé. J'aurais dû dire ça en préambule. On n'a pas de parler de l'économie qui pas existé en économie en faillite. Parce que bah, pas fait comme ça. Et en faillite, là, tout le monde a retiré épingle du jeu. Ça que mettre dans le maximum. Le secteur bancaire pendant des années, c'est des milliards de gouttes. Il fait sur chaque dollar de transaction. Il ne fait pas. Qu'on a peuple réussi à une miette là. Non, miette, il ne peut pas venir là. Donc c'est marché, c'est nous pour changer, mes amis.
son pays côté qui veut une véritable révolution dans le domaine économique pour changer bail. Bagaille pas bon. Ça dit pour économiste qui était toujours dit non, c'est à cause non pas importer, non pas produire qui la cause. Est-ce que menti ou bail? Non, il pas de bon menti. Il voit ça quand il va. Sauf que pas réaliser que ça qu'on y va par en application. Il pas réaliste. Non, pas dit pas réaliste, c'est ça il a pas répété ça, ils ont bien dit. Comment nous pas produire, pas faire ceci, si c'était bien dit. Mais il pas connaît que ton économie en faillite. Il pas connaît non plus que le secteur informel est aussi puissant. Parce que le gouverneur de la Central a dit 50% de l'argent, quand dollars quand dans l'économie, c'est dans le secteur informel. Le secteur informel est puissant. C'est là qu'il a blanchi l'argent. C'est là qu'il y a un drogue. On est rendu à se nommer avec un compte de dollars, il blanchit la vie. Via circulaire BRH, il y a un pile sous-agent de transfert qui fait un porto, qui vient la cause. Il y a un chômage dans le pays. Non, il n'y a pas de chômage. Même d'après qu'il est au fermé. Parce que même le gouverneur, la Banque Centrale, depuis son l'argent qui est rentré dans le pays, il faut contrôler. Il va normal pour la Banque Centrale, l'argent dollar est rentré, il ne faut pas. Le fil pas bon pour payer à tout. Nek drogue qui vient passer l'argent. Nek crime organisé. Badou Gonne qui dit dernièrement, dans le pays de la radio, nek qui vient avec contenir l'argent, dollar. Oui. Et, Pabli, ça a un effet pervers. Si le gouverneur continue à descendre, 25 gouttes, 10 gouttes, même contenir l'argent, ça tourne. Oui. Mais la vient vite pour ramasser goud, parce que le gouverneur vient fort. Monnaie nationale, c'est un bail qui vraiment pour gérer pour qu'il y ait à l'équilibre. Vous prenez la débat qu'il avait contenu face à le pape Gendo, là donne. Il a venu ramasser petit goût là parce que goût là fort. Pourquoi le message pour le gouvernement? On parle de ratier de devises internationales, mais dans l'économie de taille, nous, dans l'économie qui sont plus souvent plusieurs milliards, notamment dans le Caribe, ça te explique de rater ça. Non, rater dollars. Bon, même économie, si tu as posé une question sur l'abdé, parce qu'on ne peut pas produire, pas exporter. Il ne peut pas exporter de devises par entrée. Mais pas gagner ses devises. En dépit de l'argent américain qui descend, mais il y a des entreprises qui. Non, ça on l'autre question. On ne va pas entrer. Non, ça ne se fait pas comme ça. En économie, variable, toujours un retard là-dedans pour manifester. Le ministère du Commerce, depuis des années, va me faire travailler. Pour sortir de la vraie, il faut le ministère du Commerce, depuis 2, 3, 4, 5 ans, pendant que Goudla a déprécié, il a gardé qui tendance là. Et nous tous connaissons que le goût de la tête dépressé, il a immédiatement monté pris. Quand il y a le goût de la tête pressé, il veut qu'on le fasse. Et là, il veut la carrière, il ne veut pas rien. Parce qu'il a acheté 100 ça. Pour 6 mois, il aime acheter, c'est 120 gouttes de mon là. Il ne veut pas faire rien. Parce que même on ne peut faire travail comme l'État. Pour garder la tendance là. Pour dire, monsieur, oh, je ne vais pas prendre l'argument correct, même pas prendre un mot. Parce que le goût de la tête dépressé, c'est immédiatement monté. Il ne veut pas faire travail ça. Donc, il faut résigner entendre que le stock a fini de passer. Il y a pour inspecter à tourner, venir inspecter pour vous dire ah, on va descendre le prix, l'argent a baissé de 50%, on va descendre de 50%. Tu veux dire, nous avons espéré environ 6 mois encore là pour le produit descendre? Il n'y a pas 6 mois, il y a un produit qui commence à descendre, il y a un produit qui commence à descendre. Mais on va prendre un petit temps pour espérer que l'inspecteur fait travail, parce que si vous n'avez pas fait travail, il n'est pas bon. Et comme si le ministère du Commerce dit que nous mettons le prix en goutte, ça, c'est un héroïque. Ils sont bonnes choses parce que finalement, il faut économie et tourner l'économie à monnaie avec la goutte. Mais si on conseille l'entreprise, on s'en fait. On dit mettez un goutte, mais qui goutte de quoi? Je prends un goutte, moi d'août, et pour coûter 120, et puis mettez un goutte. Il part, et remarquez, si c'était ça pour le ministère, il était fait. Quittez comme un dollar, et puis mettez comme un goutte. Et tous les deux, vous le quittez. Merci beaucoup, docteur Etila aussi. Merci. C'est vert. Quelque part au mois d'août 2020. Voilà. Donc les explications étaient claires. Les explications concernant la dépréciation de la goutte sur cette longue période, 1990 à 2020. On nous disait, et on l'a fait, pas de production, pas d'exploitation. Le pays était importateur net. Un pays importateur net, c'est un pays, lorsqu'on regarde sa balance des paiements, non seulement on voit que la balance commerciale, une des balances de la balance des paiements est en déficit, mais surtout, on regarde la balance des comptes courants, la balance des comptes courants d'Haïti, toujours une balance négative, ça signifie très clairement, parce que la balance des comptes courants d'un pays est négative, ça signifie très clairement que le pays a besoin de devises étrangères. Donc c'était une explication, c'est clair, on ne pouvait pas contester. Peut-être, j'étais peut-être la seule voix contestataire. Mais dit oui, c'est vrai. C'est ça qu'explique la théorie. C'est ça que nous dit le paradigme.
pas de production, pas d'exportation. La balance des paiements négative. Le pays a besoin de devises étrangères. Il n'y a pas suffisamment de devises étrangères qui rentrent normalement. La monnaie nationale devait se déplacer. Well, malheureusement, cette théorie allait parler à la fin du mois d'août 2020. À la fin du mois d'août 2020, on n'a pas de production nationale. On n'a pas d'exportation. Les devises ne rentrent pas. La balance est complètement toujours négative. Et comme on mira les agents, on a constaté que la route s'est sassée. Voilà. Les gens qui expliquaient ça au début ne pouvaient plus parler, pas vrai? Parce qu'il n'y a pas de production, c'est pas croyable. Heureusement, j'avais pris les précautions. Je dis non. Il y avait d'autres facteurs qui expliquaient d'un côté l'appréciation de la double. Je vais tout à l'heure mentionner pour vous ces facteurs. Ouais, le gouvernement réalité, c'est ça, non? Si vous voulez rapidement jouer pour cette première loi, il faudra bien capter. Parce que je l'ai dit en préambule, que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez ingénieur, votre environnement externe, c'est l'inflation et la monnaie nationale. Le prix de la monnaie nationale par rapport à l'économie, c'est fondamental. Ne le dites pas, ce n'est pas mon domaine. Non, c'est votre domaine. J'allais devoir finir avec ça. Et encore, je vois un médecin se plaindre. Il a passé des commandes à l'étranger. Et il va recevoir ça à un coût déduit. Vous voyez, c'est votre business. Vous pouvez pas dire ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez pas dire, vous pouvez plus dire que vous n'êtes pas économiste. Vous avez le devoir de comprendre. Vous avez le devoir, l'obligation de comprendre le fonctionnement de la monnaie nationale par rapport à l'économie qu'elle prend. Et aussi l'inflation dont je ne parlerai pas ce soir. J'espère que le docteur Sylvain Mélissa ne pourra pas parler seulement l'inflation ici. Donc on est d'accord. L'orthodoxie, on appelle ça l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est quelque chose généralement appris de tous. L'orthodoxie disait il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'importation. Et il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de production nationale. Encore une fois, la balance des biens et des comptes négatifs, la double de plus. C'est ça l'orthodoxie. L'orthodoxie à la vie. Encore une fois, qu'est-ce qui a expliqué dans un premier temps cette dépréciation de l'eau, je reste dans l'orthodoxie, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'exploitation, la balance des comptes courants négatifs. Et il y a des anticipations, et je n'ai pas ajouté, je me réjouis dans ce moment, il y a des anticipations négatives des agents économiques, c'est-à-dire que les agents économiques s'attendent que la goutte se dégrossit à partir du moment immédiatement que les agents économiques ont une goutte, ils essaient de changer ça en dollars, ce qui fait que la dollarisation de l'économie haïtienne se rapprochait à 70-80%. Mais je vous dis, Amélie, je vais profiter de mon message d'ailleurs. Je vais profiter de changer comme la pugnale. Ouais. Parce que ça va encore baisser. On reviendra peut-être à la fin de ma présentation sur ça. Je ne veux pas mettre tout en. Donc, dans un marché quelconque, dans un pays sous-développé comme dans un pays développé, à partir du moment où il y a spéculation, le marché, c'est comme une personne qui reprend. Le marché, à un certain moment, on l'a appelé, va se déventer. En économie, on appelle ça une correction du marché. Je me rappelle en 2008 aux États-Unis, on a écouté 40 000 dollars, les banques américaines demandaient 400 000 dollars. Marché à vacances. En 2008, marché à vacances. Le marché va corriger ça. L'actif n'est pas de 400 000, l'actif est de 40 000. Et les corrections marchés, ça, c'est des choses violentes, des prix absolus. Mais vos têtes vont tomber en bas. Mais c'est ça qui s'est présenté en Haïti. Dans un premier temps, je vais vous donner des éléments d'explication. Parce qu'on veut savoir, on veut vraiment comprendre. Et on veut sortir ce matin, n'est-ce pas, avec le sentiment qu'on a compris. On devait avoir compris la première partie. Parce que la goutte se dépréciait. Je veux que les jeunes comprennent pourquoi la goutte. Ça risque. Les faits commencent à baisser. Donc, ils sont fâchés. Les faits commencent à baisser. À moins qu'ils aient fait mafia, quand même. Et
La Gaule s'investit parce qu'il y a une corruption. Machabab la Gaule.